Ici, c'est un lieu de métamorphose pour beaucoup d'artistes. Grâce à leur expérience, grâce à leurs professeurs, aux masterclass, à l'environnement, aux concerts, aux contacts, etc., ils ne ressortent jamais de la même manière. La métamorphose du contenu, c'est tout d'abord un développement encore de notre cursus artistique qui est proposé à nos jeunes, qui s'est fortement renforcé pendant la période de pandémie avec la digitalisation notamment des cours et aussi la digitalisation des concerts. Aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine de concerts en ligne ou enregistrés tout au long de la saison, ce qui nous permet évidemment d'accroître un public international. En fait, la chapelle m'a sauvé la vie pour beaucoup de choses, pour la préparation de ce concours. C'était génial de pouvoir essayer quand même ce qu'on voulait faire avec différents publics et puis de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. The greatest thing that it brought is that we are now very prepared to record. We know how it works. We are kind of, you know, it's not a big fuss. S'il n'y avait pas eu ces événements à la chapelle, même pour nous préparer, c'était pas facile et tout, mais ça aurait été beaucoup plus dur. Après, je sais pas si je serais allé aussi loin. Encore une fois, le lien, ça c'est essentiel. Le fait que on n'a pas perdu le lien avec les jeunes, ça c'est une chose primordiale. On va garder cette habitude-là et ces moyens-là pour que les concerts que nous faisons ici soient aussi retransmis sur YouTube, sur nos chaînes, et qu'ils puissent servir de carte de visite pour les jeunes. On le sait, à la chapelle, les maîtres en résidence et les jeunes ont une carrière internationale. Et donc là où avant on était confronté à un problème de planning, ici les cours digitaux permettront une régularité. Nous avons organisé un recrutement en ligne également. Ça permet de toucher là aussi un public beaucoup plus large. On a même sélectionné des chanteurs et on n'était pas déçus quand on les a entendus live, disons, ce qui était quand même important. 6 ans après la construction de ce bâtiment de l'aile de l'Aulnoy, nous avons envisagé un développement pavillonnaire avec des résidences supplémentaires pour 12 à 24 jeunes et un grand studio de répétition. La chapelle est en réalité la victime heureuse de son succès. Mais cela induit aussi une nécessité d'extension de la surface d'accueil afin de permettre à l'afflux de musiciens un espace indispensable en termes de répétition, de studio de vie et de travail, et bien sûr d'enregistrement. Chaque résident aura la chance de pouvoir jouer dans un contexte vraiment exceptionnel en regardant toujours vers le bâtiment de la chapelle, qui est un bâtiment classé et exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté un grand verger et un sous-bois. Et dans ce sous-bois et ce verger, on insère les 4 bâtiments comme des pavillons. Il y a 3 petits et la grande, justement, on l'a inséré dans la partie basse de la pente, la partie la plus basse, afin que cette salle ne dépasse pas le bâtiment existant. C'est vraiment le cerveau et tous les organes, on va dire, annexes mais essentiels, gravitent autour tout en gardant une intégration esthétique dans le site. Le fait que de grands orchestres internationaux et des stars de la direction d'orchestre viennent répéter et enregistrer dans ces nouveaux lieux représente une source de rencontres et de liens déterminants. Ce serait vraiment le terreau le plus fertile, je crois, pour faire naître du tout début d'un processus jusqu'à l'arrivée sur une scène. Ce lieu
pourra être comparable à ce qu'est Abbey Road à Londres, rendu mythique par les Beatles. Pour moi, la chapelle, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'endroit idyllique au milieu de la forêt où on peut partager de la musique, profiter avec des amis, de temps en temps, en plus avoir des concerts, tout ça au même endroit. C'est le top. Dames en heren, goedenavond. Welkom in de muziekkapel. Mesdames, messieurs, bonsoir. On est heureux de se retrouver ce soir après toutes ces incertitudes auxquelles on a été confrontés la semaine dernière. La chapelle peut continuer à fonctionner et donc ça nous fait plaisir de vous voir nombreux ce soir. The Music Chapel takes immense pride in Christine Lee, one of our most prestigious associated artists. She was born in Korea, educated in America, and gained her artist diploma from the Chapel in 2018. Her artistic personality has been greatly enriched by those various cultural influences to which she has been exposed. This artist diploma, which was planned originally some time ago, is the opportunity for her to present you a first solo recording, which will have a special place in our series of recordings of artists from Music Chapel for Out Here, a CD featuring works by Carter, Barber, but also Isaïe, and even Jacques Brel, is a very innovative and original product. And also to share with the audience in this studio art station and online her talent and passion for music and her instrument, the cello. Our grateful thanks go to also to Henry Kramer, her musical partner in this project. Christine has been a finalist of the Queen Elizabeth competition in 2017, and Henry got the second prize, was the second prize winner just before. Now we'll give the floor to our teachers, our master, Gary Hoffman, and also to Jeroen Reuling. Have a nice evening, très belle soirée. Gary, c'est à toi. Jeroen, yeah. Gary wants me to start as the first one, and I'll make it really short, so I give some time for Gary to talk more. I think that Christine, when she came here, she already was an accomplished artist and a very, very good cellist. And I've seen her development in here in the Chapel, which she really progressed incredible. I think now she is a mature cellist. She is a wonderful person, a very warm person, and a very strong personality, and I'm really looking forward to this performance. Actually, Jeroen, I don't have that much to say. I think we all know Christine and who she is and what she's done, and you'll hear her tonight, so you'll all have a chance to see what she does. But I would just like to relate two stories nobody here would know about, perhaps Jeroen. But in 2017, there was the first Concours Reine Elisabeth for cello. And after the second round, I was on the jury for the second and third rounds. And after the second round, when the announcements were made and Christine made the finals, I just passed her and I congratulated her, and she said, "Just smile to me when I come out on stage." And she did for the final round, and I smiled. And she smiled back, and that was just a personal thing.
But the other thing I wanted to tell you was a couple of years ago when she was leaving the Chapelle and she had her last lesson and she played an incredibly beautiful performance of the Poulenc Sonata, if I recall. And it just all, that's something I'm sure you can understand when you work with people and you feel like they become part of your life and you're part of their life. And it just suddenly hit me, this is the last lesson Christine will ever have with me at the Chapelle anyway. And suddenly I got all choked up and I had to walk away. Because, you know, being the tough guy that I am, I couldn't let everybody see me cry, you know. But I was crying and I think she knew it. And, you know, maybe you'll cry tonight, so enjoy the concert.
Thank you.
Thank you very much for being here tonight, and for those of you joining online, thank you for being here with me today. It's a very special time for me, and Henry and I are very, very happy to be here. Before we play the next piece, I just wanted to take a moment to speak to you about the piece, because I think when I first encountered this piece, I remember being quite scared by it as well. And I'm not sure it's a composer that many of you have heard of, but Henry and I were very, very lucky to record it actually earlier this year, and we really fell in love with it. And I hope that maybe you will like some parts of it from today's performance and that it will pique your curiosity. So the composer's name is Elliot Carter, as you can see on the program, and it has a traditional four-movement sonata form. I think it's printed on the program. And what fascinates me about this piece is that Carter combines old and the new world with the old form, but he combines sounds of jazz, American bebop. I think there's even a melody from Queen Bohemian Rhapsody, if you listen very carefully. And it actually begins in a place where I think there are two different times existing. The piano will be playing a heartbeat, I think, and cello is in another world. So to hear these two different worlds colliding into each other and to make sense of it, I think, is very fascinating. I believe that the heart of the piece, as we say, is the third movement, the slow movement. It's very rhapsodic, and it will end with a finale that's quite crazy. It's quite crazy for us to play, and I think it's quite crazy for you to watch as well. But I hope, I hope you'll enjoy it. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.